pour son retour. Nous avons appris que M. Katumbi a annoncé son retour. C'est une bonne chose, le parquet l'attend, parce que les dossiers judiciaires qui sont les siens, il va les trouver dans l'état où les avait laissés. En tout cas, le parquet général a envoyé un mandat de prise de corps qui sera exécuté la première fois qu'il entre sur le territoire national. Ça veut dire quoi le mandat? Qu'est-ce qu'il dit en ce moment? Le mandat de prise de corps, ça veut dire qu'une fois que vous mettez la main sur cet individu, vous l'arrêtez et vous le présentez devant l'officier du ministère public. Et par rapport aux réactions de la population, parce que j'ai vu, nous avons vu et nous savons qu'à Lubumbashi, par exemple, à propos de Moïse Katumbi, nous voyons les jeunes alertés, ils disent qu'ils sont prêts à pouvoir payer une caution pour leur leader. La force restera à la loi. Notre code de procédure pénale est très, très clair. Lorsque un juge, vous êtes dans la salle d'audience, décrète que vous devez être arrêté immédiatement, on vous arrête. Si vous n'êtes pas dans la salle d'audience, la première fois qu'on met la main sur vous sur le territoire national, on vous arrête. Ça, c'est le code de procédure pénale tel que les Belges nous ont légué et que nous n'avons pas changé. Donc ces dispositions-là ne vont pas changer et la force restera à la loi. Donc quand il atterrit, il sera immédiatement arrêté et conduit devant l'officier du ministère public. Et par rapport à Jean-Pierre Bemba, on sait qu'il a écopé, de 10 ans de prison. Est-ce que cela entrave, cela peut faire que ce soit un problème par rapport à sa candidature? Non, la candidature à la présidentielle trouve le fondement juridique dans la Constitution. C'est l'article 72 de la Constitution qui prévoit que pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine, première condition. Il faut avoir 30 ans, deuxième condition. Il faut n'avoir pas été condamné de manière définitive, avoir perdu ses droits civiques et politiques, troisième condition. Et la quatrième condition, il faut ne pas se trouver dans un cas d'inéligibilité prévu par la loi électorale. Et la loi électorale, en son article 10, prévoit toutes les conditions d'inéligibilité. Il appartient aux avocats de M. Jean-Pierre Bemba de lui dire s'il échappe à une de ces conditions. À mon avis, non. Ok. Jean-Pierre Bemba Gombo, il vient de rentrer à Kinshasa. Après 10 ans passé à la CPI et 11 ans restés, nous avons tenu mon frère Félix et moi la mort de M. Delani avec nous. Dans son pays. Lui, son épouse et ses enfants. Le deuxième point que nous avons abordé dans cette tripartite, le président Jean-Pierre Bemba, le président Félix et moi-même, c'est le point concernant le processus électoral. Nous avons émis des inquiétudes quant à l'utilisation de la machine à voter. Cette question, nous allons l'approfondir par nos techniciens, parce que nous avons tous à tour de rôle de montrer à la CPI qu'il était impossible dans 11 heures permettre à tous nos électeurs de voter avec ce système de machine. Nous avons aussi émis des inquiétudes, même une exigence. Nous voulons savoir où sont 10 millions, selon nous, 6 millions selon la CPI, personnes sans appel digital. Nous avons aussi évoqué la question du financement des élections. Nous voulons être sûrs. Tous les moyens seront mis à la disposition du gouvernement pour que le manque de moyens ne constitue pas le dernier obstacle pour plomber le processus. Enfin, nous avons parlé du problème de sécurité en ce qui concerne le processus électoral pour que toutes les dispositions soient prises et par les forces armées et par la police pour qu'il y ait une mission justement pour sécuriser les autres pays. Pour que pendant cette période, il n'y ait pas des groupes armés qui vont empêcher à nos électeurs, surtout à l'est et au centre, d'accéder
et se rendre tranquillement pour aller s'acquitter de leurs besoins, c'est le pire. Le plus important, c'est ce que nous avons peut-être fait clair. C'était de réaffirmer, c'était l'engagement que nous avons fait. Devant le peuple congolais et surtout devant Dieu. De ne rien ménager, mon effort, pour donner au peuple congolais le candidat commun de l'opposition. Nous avons dit pour cela, le président Jean-Pierre Bemba, hier, a déposé sa candidature. Le président Félix Tshisekedi va le faire mardi. Moi-même, je l'ai fait lundi. Et nous avons dit que nous aurons pu avoir une voix de avec le président Tshisekedi. Nous ne savons pas encore comment les choses évoluent du côté de la frontière avec la famille. Nous sommes d'accord avec notre frère en ce moment. Nous avons dit que ce n'est qu'une première rencontre. Nous aurons d'autres rencontres. Nous voulons rassurer le peuple congolais. Et c'est un engagement pour les générations qui va passer. C'est le terrain de la génération qui est derrière nous. Disons, nous aurons bel et bien un candidat. Comme le président Jean-Pierre Bemba, dans cette réunion, le président Félix Tshisekedi l'a affirmé, je l'affirme, nous serons tous flexibles pour donner la chance à l'émergence et à cette réunion. Machine à voter, nous avons l'expérience qui sont les deux sur tour on a et ça impossible pour ça là, élection dans 11 h. Beaucoup de temps, c'est déjà impossible pour ça là, dans 11 h. Il y a mis balai de l'obéir car ma capitale est procédurale, ma tour va s'en empreinte digitale, il y a mon identité, il y a un fiat, ton petit photo, le but comme le Daniel, comme le Paul. Mais ceux qui empruntent leurs aspects proposent à la foule que vous avez ils ont quand même un problème. C'est 15%, il y a un électeur qui va gagner paix à 15%. La élection a un tour. Dans le Vélica, il y a un état de financement de l'élection. Est-ce qu'il y a seul au gouvernement qui a un plan de décaissement et un accès au sol des alliés? BNP, ma capitalité, c'est la puissance. Et puis, au centre, ma groupe a mis en Monisco, la baie FARDC, la joie, ma mesure, Oyo, compagnie, pour pas dans mon cas, ma tournée, voilà. Mais Oyo, il est qui Motouya, Oyo, peuple congolais, nous sommes là, vous êtes là. Dans le bien, monsieur, il y a cette petite vie à côté de la situation. J'en fais un peu par le bâtiment, déjà, la RFI, vous avez un peu. Merci. Chères sœurs congolaises et chers frères congolais, merci pour votre accueil pendant les deux jours à Kasumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement.
retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme, un homme qui ne veut pas la paix, un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays, un homme qui veut choisir ses candidats, Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit, je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kasumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour, ils ont refusé aussi le deuxième jour, et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez forts, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu, nous n'allons pas laisser à un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Et le plus important pour nous, c'est la paix. Ma compassion aussi à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Ma compassion aussi à tous ceux qui souffrent dans nos prisons injustement à cause des élections. Que Dieu bénisse le Congo. Nous voulons un Congo fort. Ne vous découragez pas. Nous devons avoir la foi. C'est le plus important. Que Dieu bénisse les Congolais.